Bon, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, tu fais les choses bien. Nous, on va une petite séance d'eau tranquillement. Je vais voir s'il me reste un peu de force pour faire ça. Je vais faire une séance d'eau fast, tu vois. Prendre des bons exos, me tuer dans de bonnes conditions. On va faire les choses bien. Parce que ça fait 8 jours. 8 jours, je m'entraîne, je me repose pas. Je suis pas en no day off. Juste, ça me fait du bien. Je taffe. À côté, je souffle avec la muscu. Ça me fait du bien. Pour mon équilibre, j'en ai besoin. Ah, j'en ai besoin de fou. À partir du quatrième jour, je me suis dit, bon, si je me filmais, ça peut être bien. Je me filme, je parle, je discute. En plus, on est dans ce beau fitness park. Donc, je me dis, pourquoi pas. Là, là. Le dos, je te cache pas, je l'ai fait aussi un peu hier, un exo. Là, là, je vais ne faire que le dos parce que c'est un point faible. Je vais le rattraper dans de bonnes conditions. Mais je sais pas encore ce que je vais te proposer. Parce que de base, les séances dos, je fais du tirage vertical, du tirage horizontal. Mais là, je pourrais pas faire. Tu vois, il y a trop de monde. Vraiment, je vais à ça aux heures de pointe. Déjà, je me filme et je parle aux heures de pointe. C'est déjà un miracle. Mais de faire une bonne séance d'eau sans mes machines aux heures de pointe, ça va être le défi du jour. On va faire ça bien. On va faire ça bien, c'est pas impossible. Et si toi aussi, tu veux faire une séance d'eau aux haltères et tout, de fou, et bah tu pourras la faire. Parce qu'on va chercher de la sensation et de la congestion, parce que c'est important. Par contre, j'ai pas pris de pré-workout aujourd'hui. Parce que si j'en prends un, je vais pas me réveiller demain, ça va être. Enfin, je vais pas dormir. Et quand je vais dormir, je vais pas me réveiller par le travail. Et là, ça va être terminé. Donc, on va se battre avec la force qu'on a. Merci beaucoup pour les retours par rapport à la première vidéo immersion que j'ai faite ici. La deuxième, je l'ai postée aujourd'hui. Donc, j'ai pas encore vu les retours, mais merci beaucoup. Merci. Franchement, c'est du contenu simple, mais j'aime bien. Parce qu'on est ensemble, je parle, je fais ma séance, je te partage des trucs. Et puis, je kiffe faire ce genre de contenu. Franchement, je kiffe. C'est ce qui me ressemble le plus, j'ai l'impression. Là, je m'échauffe les épaules tranquillement, comme toutes mes séances, j'aime bien. Élévation latérale, c'est mon exo d'échauffement, mon exo préféré. Parce que j'ai tellement été blessé à l'épaule que avoir les épaules échauffées et congestionnées, ça me rassure en début de séance. Ça me fait du bien pour tout le reste. Même si on va faire le dos, les épaules sont quand même sollicitées, tu vois. Donc, je les échauffe de la meilleure des façons, en les congestionnant au max, en élévation latérale, charge légère. J'ai pris des poids de 8. Et je fais quelques séries à l'échec, tranquillement, en essayant de tendre mes bras au maximum, même si que quand ça commence à être dur, je plie mes coudes. Mais c'est de tendre mes bras au maximum et faire ça bien, afin de me chauffer. Ok, parfait. On va passer au premier exercice. Premier exercice, je pense qu'on va partir sur du rowing. Du rowing aux haltères. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, hein. Très longtemps. Je préfère. Enfin, je préfère. Je le fais à la barre de base. Mais les haltères, ça fait longtemps. Dans cette salle, il y a les poids standards, les poids ronds là. Et des poids en octogone. Je vais prendre ces poids-là. Le maximum, c'est 20 kilos. Il me semble ici. Donc, je pense que je vais prendre 15 kilos, faire quelques séries de rowing, après 20 kilos. Et si jamais c'est trop léger, je vais monter. Je vais peut-être aller là-bas, prendre des 30, les faire rouler jusqu'à ici et puis commencer le premier réseau comme ça, en 4 fois 8 ou 10 répétitions. Bon. On va partir sur un rowing pronation, superset avec oiseau haltère en prise pronation toujours. Le rowing en prise pronation va permettre de moins engager mes biceps et le oiseau haltère en prise pronation va permettre de bosser uniquement l'arrière des épaules. Ça c'est bien, on va se faire 8 et 15 reps. 15 reps à 6 kilos normalement on va tenir. Allez.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça va. Pour l'instant, c'est tranquille. C'est calme. C'est calme, c'est calme. Les 15 kilos, ils sont légers, tu vois. Donc, là, je vais monter, je vais mettre 20 direct. Et je pense que on va rajouter 2 secondes de contraction. Comme ça, on sera bien en rowing. Vas-y, je vais essayer de mettre 2 secondes de contraction en rowing et 2 secondes de contraction en oiseau halter. Là, ça va me fumer. Mais comme ça, moi, je serai chaud pour retirer le pull. Parce que là, aujourd'hui, hey, j'ai un pull, un t-shirt, un débardeur. Tu vois, là, vraiment, je suis un freezer. J'ai plusieurs formes. Je suis bien. Donc là, je vais poser ça là et prendre les 20. Ouais, finalement, j'ai retiré mon haut maintenant. Il fait trop chaud là. Il fait trop chaud et les 20, ils sont lourds. Je pense pas que de 15 à 20, ça allait être aussi lourd à déplacer. Juste. Là, je suis aussi en début de séance, tu vois. Je fais les épaules. Je suis chaud. Comme on a dit, 8, 15, 2 secondes de contraction pour les deux exercices. C'est parti. Oh, allez. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. C'est pas le mexo. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. C'est pas le même exo. C'est vraiment pas le même exo. C'est incroyable. Pareil ici. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. Allez. 1, 2, 5. 1, 2, 6. Comment ? 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Allez. 1, 2, 11. 1, 2, 12. 1, 2, 13. 1, 2, 14. 1, 2, 15. Ok. Wow. C'est vraiment pas le même exo. Tu mets juste 2 secondes de contraction. Juste ça. Juste ça, ça tue. Ça fait mal. On va se poser un peu. Et repartir après. Avec les mêmes charges. Franchement, je mets pas tout seul. Je mets pas parce que on est en heure de pointe, j'ai ma caméra, je parle. Avant, je faisais pas ça. Avant, c'était impossible. Avant, il y avait une personne dans la salle qui me regardait. Ah, je faisais rien du tout, les gars. Je rangeais ma caméra fin. J'allais dans un coin, j'entendais qu'il y avait personne. Maintenant, je m'en tape. Monde ou pas. Je mets ma cam, je parle, j'écoute mes conneries et je bosse. Mais franchement, bosser comme ça, c'est intéressant. C'est intéressant, surtout quand t'as un point faible comme moi, t'as un point faible dos. Tu sens que c'est difficile de bien bosser ton dos. Fous des tempos, mets des tempos, mets des biceps. Fais-toi mal, dos, arrière, épaule. Un bon biceps aussi, bon, on va le faire juste après. Enfin, juste là, là. On va se faire le même exercice, mais en après, enfin, l'oiseau qu'on va faire, on va le faire en neutre, tu vois. L'oiseau en prise neutre, tu vas travailler plus l'ensemble du dos, l'ensemble du haut du dos que l'arrière des épaules, tu vois. On va se faire ça, on va mettre 20 répétitions sans tempo, tu vois. On va essayer de pas aller trop vite, aller à une allure modérée. Mais là, ça va faire du bien, là, ça va faire du bien. Et tu vas voir, tu vois, tout ce que j'ai là, tout ce que je fais, essaye-le juste dans une séance. Essaye-le et tu verras, tu ne seras pas déçu. Franchement, tu ne seras pas déçu, tu vas kiffer. Bon, c'est parti, on fait la troisième.
On va essayer de faire 4 séries là. C'est le premier exercice. Je verrai si les autres, je ferai 3 exercices. Là, ça va, il est 20h31. On a le temps. Donc, on va peut-être faire 4 séries. Allez, c'est parti. Allez, 3 et. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. Ok. Comme on a dit, neutre. Le vrai oiseau alter. Allez. 1, 2, 3, allez, 4, 5, on prend notre temps, 6, 7, 8, 9, 10, encore 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9, 10. Ah, oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, j'aurais aimé mettre plus en termes de poids. Mais le problème, c'est que j'ai pas de ceinture, tu vois. Là, je sens déjà qu'avec les 20, ça tire un peu sur les lombaires, même si que le mouvement, il est propre. Mais pas de ceinture. J'ai pas envie de risquer de me faire mal pour rien. Vraiment. Pour la dernière série, je suis reparé, je pense. Je suis reparé. Envoyer 20 reps à la fin. J'ai envie d'en envoyer 30 quand même. Je viens de me faire mal. En fait, tu vois, chaque séance en immersion qu'on fait ensemble, j'ai envie de me faire très mal. Les séances, je me filme pas. Je suis un peu plus cool. Là, je me dis, vas-y, je me filme, je suis fatigué. Autant envoyer, autant se faire mal, autant faire les choses bien. Donc, à faire les choses bien. Et même si que, vas-y, on est au début, on a un peu mal. Et c'est pas grave. On est là pour avancer parce que c'est important. Le dos, c'est un point faible. Et on va avancer de la meilleure des façons. Donc, vas-y, 30 reps à la fin. Et après, on change d'exo, on va faire du bûcheron alter. Allez. On va essayer d'aller chercher les 10 reps là. 1, 2, 1. 1, 2, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 4. 1, 2, 5. 1, 2, 6. 1, 2, 7. 1, 2, 8. 1, 2, 9. 1, 2, 10. Ok. Oh. Cherchez les 30 reps. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ça fait mal, 19, 20, ça fait mal, 21, allez, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, parfait. Wow. Oh, franchement, oh, j'ai mal. J'ai mal pour de vrai. Pour ceux qui demandent, je bois que de l'eau dans ma séance. Hein. Je bois que de l'eau. Je bois plus de Clearway pendant mes séances, de EA et tout. Ça, je pourrais les prendre avant au niveau des EA et la Clearway soit avant, soit après. Parce que le problème, c'est que quand je prends la whey, ou des EA, ben, j'ai envie de boire, ça me donne envie de boire de l'eau, tu vois, du vrai eau. Parce que soit c'est sucré, soit il y a un goût qui me donne envie de boire juste après, tu vois. Et j'ai l'impression que ça me déshydrate, tu vois. Et quand tu fais tes séances et tu bois de la whey, et après tu bois de l'eau, après t'es ballonné et tu fais mal tes exos. Donc comme j'ai pas envie d'être ballonné, je prends que de l'eau. Comme ça, après je prends mes whey, mes conneries. Bon. Petite pause, énergie gel, meilleur gel chez mes potes, histoire de reprendre de l'énergie, reprendre des forces et être bien pour toute la séance. Ça, c'est le seul truc que je bois. C'est tout.
dans ma séance. C'est avec le pré-workout. Franchement, un de mes goals serait de faire un complément en collaboration avec MyProtein France. Je sais pas, soit un pré-workout, soit un energy gel, mais un truc simple, tu vois. Un truc simple, accessible à tous au niveau prix. Et un truc qui t'accompagne à chaque séance, tu vois. Vraiment. Energy gel. Je sais pas, un goût framboise, un truc bon, tu vois, comme ça on est bien. Mais pour ça, faut des abonnés pour ça. Hein. Pour faire des esprits comme ça avec mes protéines, faut des abonnés de fou. Mais peut-être, on sait pas. Peut-être un jour. Là, on va balancer du bûcheron alter en double contraction. C'est-à-dire qu'on va faire une demi-rep et une rep complète. Unilatérale. Franchement, ça va faire mal. Ça va faire vraiment mal. Et comme je ne suis pas prendre très lourd, on va rester sur les 20 et faire la double contraction avec les 20 et je pense que ça va faire du bien. J'ai réfléchi à un superset avec, mais le problème c'est que vu l'angle de la caméra et tout, et comme je peux mettre la caméra trop loin, je peux pas faire de superset avec ça ou de biceps avec ça. Donc, double contraction, c'est très très bien, ça va faire assez mal comme ça. On va se faire 8 reps pour commencer. Allez. Allez, hop, 5, hop, 6, allez, hop, 7, hop, 8, ok, l'autre sens, 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, allez, 7, 8, je suis désolé, je peux pas mettre dans un angle où tu vois bien les deux mouvements, tu vas voir juste le mouvement sur le bras gauche, mais bon, au moins, tu vois ce que je fais. Oh. On va se poser un peu et on va repartir. Par contre, j'aurais aimé prendre un peu plus lourd. Vraiment. J'aurais aimé. Mais je restais sur ça. Je restais. Parce que si je prends plus lourd, je pourrais pas faire de double contraction. Je sais. C'est vraiment trop dur. Je décale un peu le banc. Comme ça, ça fait un autre angle. Une. Deux. 3, 4, comment, 5, 6, 7, 8, ok, parfait, côté, 1, 2, 3, 4, comment, 5, ouais, 6, 7, 8, wow, franchement j'aurais aimé de faire des tractions après, mais il commence à y avoir du monde dans mon espace aussi, je vois que je dérange les gens et... Bon, la caméra, ils tournent, ils ont peur. Compliqué, mais bon. Tant qu'à la queue, on vient pas me dire « Sors ta caméra, je garde ma caméra. » M'en fous. Mais si je fais des tractions, je pense que je vais tricher, je vais mettre mon casque avec de la musique. Parce que hier, j'en ai fait. J'ai eu du mal à en faire par manque de force, manque d'énergie. Je faisais pas des demi-tractions, mais je faisais des...
En fait, je faisais pas les tractions que je voulais faire, tu vois. Je montais bien les bien tête au-dessus de la barre, tête qui touche la barre. Mais je sentais que j'avais mal. J'avais vraiment mal, tu vois. Et là, je sens que je suis pas en bonne condition pour en faire. Mais j'ai envie d'en faire quand même. Parce que c'est filmé et c'est différent. Quand c'est filmé, je suis plus fort. Je suis pas la même personne. Comme tout le monde. Pour ça, je m'arrête à 3. Je vais m'arrêter à 3, pas par fatigue, juste parce que j'ai envie de faire des exos avec des biceps, tu vois. Derrière, c'est un très bon exodo, mais avec l'angle de la caméra, je peux rien faire, tu vois. Et je viens de me faire mal, vraiment. Là, je me fais mal, mais pas assez. Pas assez. Allez. Une. Deux. 3, allez. 4, ouais. 5, c'est rien. 6, allez. 7, last. 8, ok. Allez. 1. 2. 3, ouais. 4, 5, comment? Allez. 6, c'est bien. Allez. 7, oh. 8. Oh, franchement, ça fait mal. Ça fait pas assez mal, hein, mais ça fait mal quand même. Et je le redis, tout ce que je fais, je t'invite à le refaire. Vraiment. Je t'invite vraiment fortement à le refaire parce que c'est important. On va faire du shrug halter 2 secondes contraction. On va essayer d'aller à 15 reps. Je rappelle, le shrug il fait mal. Hein. Le shrug il fait très très mal quand il est bien exécuté. Et comme je le dis, je mets épaule derrière, je monte 1, 2 et on y va jusqu'à 15. Allez. 1, 2, 3, 1, 2, 4, allez, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, allez, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13. 1, 2, 14. 1, 2, 15. Ok, parfait. Bon, comme là, ils font exprès de se mettre derrière moi. Je change de place pour être bien. Faire la deuxième série de shrugs. Tranquillement. Sachant que, après, on va utiliser ça, là. Ça va rappeler un truc que je faisais avant, à l'ancienne. Bon, là, je suis mal placé. Ah, si, je suis resté comme ça. J'ai un gros bras comme ça. Allez, on y va. 1, 2, 3, 1, 2, 4, allez, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, allez, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10, 1, 2, 11, 1, 2, 12, 1, 2, 13, 1, 2, 14. 1, 2, 15. Parfois, je comprends quand on dit je suis chargé. Je comprends. Parce que ici, les gens s'entraînent pas ici. Ils s'entraînent pas, ils sont pas mal. Moi, ça fait longtemps que je m'entraîne. Ça fait très longtemps que je m'entraîne. Très longtemps que je fais les choses bien. Il y en a ici, ils font rien. Ils font rien, juste ils s'amusent, c'est un café pour eux. Moi, je viens, je me fais mal de base. Je suis un mec, j'ai mon casque, je parle pas. Rien, je suis ma séance, énervé, tout. Là, je parle parce que voilà, caméra, tout. Et de base, capuche, casque, 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 bonnet, casque. Je suis bien. Ou alors, tu vois, j'ai une coupe de merde sur mon bonnet. Hein. Je retire mon bonnet, tout, casque, m'en fous. Je fais ce que j'ai à faire et je rentre à la maison, je mange tranquillement et je dors.
Mais ici, on a... C'est un café, c'est un site de rencontre, malheureusement, ici. Vraiment. Je voulais déjà faire ça. Mais je finis à Morwing. En fait, ça, je voulais faire du développé militaire à la barre. Je voulais faire avant et arrière. Avant, ça va. C'est facile, mais arrière, c'est un peu plus difficile. Et arrière, je sens mieux mon dos quand je le fais. Donc, on va voir ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je faisais beaucoup ça avant. Et du coup, on va tester. Maintenant, on va repartir là. Croiser. Allez. Là, je vais mettre comme ça pour voir le bras droit. Le bras droit, il est plus gros que le gauche. Allez. Une, deux. Une. Une, deux. Deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Allez. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Une, deux, huit. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Ok, parfait. Parfait, parfait. Là, il est 21h05. Je sais pas combien de temps je vais rester ici. Sachant que le dernier bus est à 21h40, il me semble. Mais j'ai un peu mal au genou, mais s'il faut rentrer, s'il faut marcher 30 minutes pour rentrer, je marcherai 30 minutes, c'est pas grave. S'il faut traverser des campagnes pour rentrer, je le ferai. Parce que des fois, je suis resté à la salle à 23h, là, jusqu'à 23h, jusqu'à la fin. J'ai marché, hein. 30 minutes, je marche sous la pluie et tout, c'est pas grave. C'est le plus important, c'est que ma séance, elle est validée de la meilleure condition possible. Il me reste une dernière. Je vais peut-être faire des tractions aussi. Ah ouais, mais il y a une barre de traction là. Bon, je sais pas si je pourrais, mais je vais peut-être en faire juste après ça. Enfin, après ça, comme ça, on pourra faire le développé militaire. Je vais faire une série de tractions ou deux, juste pour te montrer si je sais bien les faire ou pas. Mais vu que c'est filmé, normalement, sans casque, ça peut passer. Ça peut passer. Je vais la faire de face. Hop, épaule en arrière, on y va. Une, deux, une. Deux. Une, deux, trois. Une, deux, quatre. Allez. Une, deux, cinq. Une, deux, six. Une, deux, sept. Allez, comment? Une, deux, huit. Ouais. Une, deux, neuf. Une, deux, dix. Une, deux, onze. Ok. Une, deux, douze. Une, deux, treize. Une, deux, quatorze. Une, deux, quinze. Ok, parfait. On va faire des tractions contrôlées. Par contre, j'ai mis la barre en bas. Faut pas que je tombe genre et... Attends, je vais pousser là-bas. Parce que sinon, si j'y glisse dessus, là, c'est terminé. Je ferai un gym fail et c'est pas bon. Allez. Par contre, le mur, il est près de moi. Ça veut dire que faut vraiment que je sois droit. Deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, 8, c'est bon. Je sais pas si c'est bien vu, mais j'ai du mal à monter. J'ai du mal à bien monter. Au moins, j'ai fait ce que je pouvais faire. C'est déjà très, très bien. On passe au développé militaire maintenant. Par contre, c'est une barre de 15 kilos. Ça va, c'est pas une vraie barre olympique. Mais ça reste lourd quand même. Je vais faire une série à vide pour voir. Et après, je pense que je mettrai soit des 5 kilos, soit des 10 kilos. J'ai pas envie de mettre trop lourd, j'ai un peu mal à l'épaule, j'ai pas envie de me blesser bêtement, mais j'ai quand même envie d'avoir des sensations, tu vois. Donc, petite barre à vide tranquille, et après on voit ce qu'on peut faire. Hop, voilà. On va faire, je dirais, tranquillement, à vide. Une, deux,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, parfait. J'ai réfléchi à faire un mouvement complet ou pas. Un mouvement où j'étends bien mes bras tout en haut. Vas-y, on fait 10 complètes, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. C'est un peu bizarre, mais j'ai un ressenti aussi au niveau du dos quand je fais ce mouvement-là, tu vois. Surtout quand je pousse bien en haut, quand je fais le mouvement complet. Et ça, c'est bien. Après, on a travaillé le dos juste avant, on a fait des exodos. Donc, normal. Je m'aide un peu du dos quand je pousse. Donc, mon corps, il me fait rappeler que j'ai bossé le dos. Et j'aime bien ressentir mon dos, vraiment. J'ai posé mes poids de 20 kilos, là. Avec lequel j'ai fait mes deux premiers exercices. Là, j'ai mal à parler, là. Putain. Ça, c'est ce que je n'ai pas pré-workout. Je vais poser ça. Au cas où quelqu'un en veut. Et je vais charger un peu la barre. Par contre, je retiens ce que j'ai dit, c'est une barre de 20 kilos. J'ai vu sur les côtés, c'est une barre de 20 kilos. En fait, ils ont cette barre-là, ils ont la même barre de 15 kilos. Je pensais que c'était 15, mais c'est 20 kilos. Donc, c'est très, très bien. J'ai mis deux poids de 5 de chaque côté. Parce qu'il n'y avait plus de poids de 10. Donc voilà, c'est des gros poids de 5, c'est des poids de crossfit. Donc on va faire ça bien. On va essayer de faire 10 répétitions complètes. Et pour voir si mon épaule ne fait pas trop mal ou pas. Allez. Je sens une pression sur les épaules, elle est incroyable. Ah, vraiment. Elle n'est pas agréable, mais elle est incroyable. Je sens que j'ai mal. Vraiment mal. Je regarde avec mon retour. Je ne sais pas comment la congestion elle est, mais je sens vraiment une grosse pression sur les épaules. Vraiment. J'ai pas l'habitude. On va rester sur ça, on va faire que des 8 reps ou 7 répétitions. Si jamais je sens que la 8e elle va me faire trop mal, on va rester sur ça. J'aime bien pour l'instant. C'est un mouvement bizarre parce que c'est un mouvement où quand je le fais, ça me fait mal. J'ai des douleurs tendineuses qui sont pas agréables. Mais quand je finis le mouvement, je me sens bien, je me sens vraiment bien. Donc on va continuer à le faire. Et si jamais je me sens trop mal, genre, s'il y a trop de douleurs bizarres, osseuses, j'arrête, tu vois. Mais j'aimerais au moins en faire 4. Parce qu'en fait, là, je sens que la congestion, elle arrive quand je le fais. Donc, je vais coacher, sachant que après, j'ai le même mouvement, mais arrière à faire, tu vois. Donc, je vais coacher sur cette charge-là. Et on va essayer de ménager nos efforts. Histoire de sentir une bonne congestion. Parce que c'est le plus important, faire ça bien. Sachant que j'ai pas de ceinture, rien. Une ceinture m'aurait bien aidé quand même. Pas de sang poignet, rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8,
Oh. Ouais, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Je vais en faire 3. Pas en faire 4. Je vais en faire 3. Et après, arrière. Mais en fait, là où ça fait mal, c'est sur la descente, tu vois. Parce que moi, je pose la barre là. Si je laisse la barre là et je fais des demi-mouvements, ça va. Enfin, c'est pas vraiment des demi-mouvements, mais ça va. Mais moi, j'aime bien les mouvements complets. Donc, je pose la barre là. Mais ça me tire. Ça me fait super mal. Mais bon, c'est pas grave. Le physique, il est là. On tient. Et on va continuer à faire les choses bien. Allez, dernière série. On fait ça bien. On fait ça bien. On fait ça bien. On valide. Allez, on valide. Oh, allez. Une. Deux. Trois. Oh, quatre. Allez. Cinq. Six. Ouais. Sept. Huit. Oh. Ça fait mal. C'est incroyable. Validé. Là, validé. Je vais bien reposer. Je vais retirer un 5 de chaque. Et on va faire arrière. Ça va faire du bien. Ça va faire beaucoup de bien. Alors, arrière. On va essayer de prendre ça comme un squat. Tu vois? On va écarter un peu les bras. Et... une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Et huit. Ok. Franchement, ça fait mal aussi. Ah, ça fait mal aussi, c'est incroyable. Ça fait mal, mais franchement, ça me rappelle de bons souvenirs. Parce qu'avant, je faisais beaucoup ça avant. J'arrêtais de le faire. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai vu des vidéos comme quoi, faut dire, faut pas le faire et tout. Mais c'est bon, je le fais. J'aime bien. Et j'ai une bonne son, donc je le fais, tu vois. Mais j'aime bien. Je vais le faire aussi 3 fois pour être bien. Franchement, j'ai regardé un peu ce que ça donne là. Les mouvements sur les rushs. J'ai l'impression que mon triceps, ça va exploser. C'est incroyable. On voit que ça dans le mouvement. Les gens vont voir que ça bosse le triceps. Alors que c'est parce que je le fais depuis 2 jours et là, on peut plus là. Je vais peut-être le faire. Ah. Ouais, non, c'est mort, trop de gens. Je vais peut-être faire les triceps, mais c'est mort, trop de gens. C'est mort. Allez, on va continuer sur ça. Comme j'ai dit, on en fait 3. Du moins, on essaye. Hop, départ squat. Tranquillement. Et on y va. Une. Deux. Trois. 4, 5, 6, allez, 7, 8, franchement, oh, ça fait mal, oh, ça fait mal, c'est vraiment mal, je pense pas qu'un exercice comme ça allait me faire autant de mal. Mais ce mal-là, c'est un bon mal-être, tu vois. Je vais le mettre dans mon programme. Quand je vais repartir dans un nouveau programme cool. Parce que tu vois, là j'ai filmé 3 vidéos depuis que j'ai décidé à filmer ces entraînements immersion, là. Ici, à Fitness Park. Et j'ai remarqué que j'ai beaucoup de force. Enfin, quand je prends du pré-workout, j'ai beaucoup de force. J'hésite à repartir... sur la créatine. Repartir sur 2 mois, 3 mois de créatine, exploser mes perfs dans certains exos, notamment au niveau des pecs, revenir sur les 60, faire ça bien dans le bûcheron, enfin le rowing couché sur banc, mettre les 60 et valider ça tranquillement. Tu sais, prendre les 60 en halter, c'est une validation parce que c'est les haltères les plus lourds de la salle, tu vois. Bon, dans certaines salles, il y a des 70 kg, 80 kg par bras, mais bon. Pour moi, à partir de là, faut être chargé, tu vois, clairement. Déjà, 60 kilos,
C'est très très dur. C'est vraiment très très dur. 50 kilos, c'est super dur aussi. Mais c'est accessible. 60, vraiment, moi, j'arrive bien que quand je suis sous créatine. Et au moins 3 semaines de créatine dans mon corps, tu vois. Au moins 3 semaines sous créatine, je suis bien. Hop, 60, j'ai valide. Là, 60, là, je dois faire 4 reps, 5 reps, tu vois. Et pour faire mes 8 reps, mes 10 reps, ah, il faut que mon corps soit sous créatine, sinon c'est mort. Créatine, plus booster, plus j'ai bien dormi, plus j'ai pas travaillé. Et là, c'est bon. Mais sinon, ah, les gars, c'est mort, sinon. C'est mort. Les 60, c'est trop lourd. Alors 70, 4 kilos par bras, c'est mort. À part si je me charge. Et j'ai pas envie de me charger. Allez, on y va. C'est la dernière, on fait ça bien. Allez, comment ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. J'avoue, je vais revenir comme ça, les deux. Au lieu de me faire mal, là. Je pose en squat et c'est mieux. Au lieu de faire un truc de super-héros, là. Bah, franchement, là, je me sens bien. Là, je me sens bien. Je sais pas si au niveau de ma congestion, ça se voit au niveau de mes épaules. Mais je me sens bien. Je me sens vraiment bien. C'est incroyable. Là-bas, il y a une machine d'eau que j'aimerais bien te montrer, mais le problème, c'est que vu son positionnement, tu pourras voir que mon mouvement de face et tu pourras pas voir mon mouvement de dos. Et ça, c'est un gros problème. Je vais peut-être y aller, même si qu'on verra pas mon dos, mais c'est dommage. C'est une machine à meurtre en plus. Vas-y, on va aller, on va voir. On va voir si je peux me filmer là-bas, on va voir. J'ai pas pu aller à la machine d'eau que je voulais. Tu vois, c'est la machine d'eau où tu tires vers le haut et tu ramènes vers le bas. En plus, j'aime pas cette machine, donc c'est pas grave. Donc, je vais faire celle-ci. Tout ça, j'ai un coup de barre de fou. Je suis fatigué, donc ça va être ma dernière série. On va essayer. J'ai même plus à parler, tu vois. On va essayer de s'envoyer un escalier, tranquillement. J'ai mis 2 poids de 20 de chaque pour être bien. Et on va faire un escalier jusqu'à 10. Répétition. Tranquillement. En finition. Allez. 1, 2. Ok. 1, 2. Ça va être chaud. 1, 2, 3. 1, 2. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Je sais pas si j'ai fait 5. C'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Oh, je suis mort. Je suis mort, vraiment. C'était mon dernier exercice. Je vais me poser, je vais m'asseoir tranquillement. Et après, je vais faire mes affaires et je vais me barrer. Je vais rentrer en marchant. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est le cas. Mets un j'aime, un commentaire. Abonne-toi à la chaîne. C'est pas fait. Je ferai encore d'autres vidéos comme ça si t'aimes bien ce contenu. Et dis-le, c'est important. Vraiment, c'est important. Si t'aimes, dis, dame, j'ai plus de vidéos comme ça et tout. Plus ça, j'ai un peu plus parlé que les autres vidéos. Donc si t'aimes bien, dis-le moi. De toute façon, je mets tout. Hein. Pas trop de montage, juste du brut, juste du raw. Et puis, voilà. Je dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.